Bonjour les amis, de retour sur Assassin's Creed Valhalla. Donc pour la suite d'un chapitre qui est donc celui-ci. Je viens de mettre mon petit curseur pour m'y diriger. Voilà. Et j'y m'y dirige. Arrivé à destination. Ava, je suis heureux. Ah, un membre des anciens. Ce sera donc ma prochaine cible, toi. Bienvenue en mon domaine, vieil ami. Feinelgar, tu diriges une quantité impressionnante de terres. C'est vrai. En nageant vers mon île, il m'arrive de me perdre dans cet océan de blé. Tu ne manques assurément pas de terre. Te voilà hardi d'étaler tes richesses depuis cette hauteur isolée. Ce n'est pas de la hardiesse, mais de la confiance. Je pense que le respect que j'ai su gagner éloigne Saxons et Danois de la tentation. Tu as dit que tu avais quelque chose à me montrer l'autre fois. De quoi s'agit-il? Ah oui, c'est vrai. Admire. Ce très bel objet appartenait à notre bien-aimé Eldorman Unbeort, avant qu'il ne nous quitte. Il l'a laissé ici après notre dernière chasse. J'aimerais te l'offrir. C'est une très belle arme.
D'une grande qualité. Merci. Je savais qu'elle te plairait. Allons, prends et approche. Je nous ai préparé une chasse qui promet d'être belle. Oublions la politique et les assemblées. Profitons plutôt des fruits qu'offrent mes terres. C'est une chasse ou une cueillette? Les deux, si tu le souhaites, comme tu voudras. Je partage volontiers ce qu'offre mon domaine, comme tu le verras. Pour être franc, Eivor, un grand ours met mal à l'aise mes terres depuis des semaines. Il faut s'en débarrasser, ne serait-ce que pour éviter une tragédie. Tu m'as fait venir ici pour chasser un ours? Oui, et je suis heureux que tu aies accepté de venir. Je pense que tu sais mieux que quiconque que je suis en mesure de diriger ce comté. Si la lignée de roi est aujourd'hui éteinte, les gens de cette contrée demeurent pleins de vie et de promesses. Mais aujourd'hui, le comté se languit. Il a besoin d'être guidé par un sang neuf. Le mien. Pardon ? Je suis l'incarnation même du sang neuf. Je devrais peut-être postuler pour le titre d'Elderman. Je reconnais là votre sombre humour, aussi direct qu'un marteau, hein ? Comme celui de votre dieu du tonnerre, le... Je ne retrouve pas son nom. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'aime la compagnie de ton peuple. Ou des gens comme toi, même si j'en connais peu. Et je me moque de ce que peuvent dire des idiots hautains comme Erefrit et Unvald. Les Danois sont des gens bien. Pas du tout bornés. Merci de l'avoir remarqué. Je me rappelle la venue des Danois, il n'y a pas si longtemps. Les gens disent... On va chasser, Elfgar ? Ou tu préfères que je te fasse des tresses ? Oh non ! La chasse ! La tanière de l'ours est près d'ici, je crois. Ami Grimm, c'est un plaisir de te voir ici. Une très bonne surprise. Une surprise ? Je suis venu à ta demande. Oui, et comment va Grimsby ? Et tous les autres Danois ? Je ne peux pas parler pour eux, mais moi je vais bien. J'ai hâte de chasser, comme tu le proposais dans ton message ce matin. Oui, c'est vrai, parfait. À propos de Danois, j'aimerais te présenter Eivor. Vous vous connaissez peut-être, vous êtes tous deux Danois. Je suis ravi de te rencontrer, Grimm. Salut, Eivor. T'as aussi attiré ici en te promettant une chasse ? Oui, une chasse à l'ours ! Le but de tout ceci est bien une chasse. Je vous le jure. Il y a une grotte sur la hauteur, là-bas. Un bon endroit pour une tanière. Si cette bête est aussi grande que le dit Elfgar, nous ne serons pas trop de trois pour la battre. D'accord. Allons-nous chercher une nouvelle cape en fourrure, oui ? Ben allez. Allons chercher le nounours. Sinon, cet ours, nous trouverons de quoi souper ce soir. J'ai un droit divin sur les terres de mon domaine. Dieu y pourvoira, n'ayez crainte. Ben allez. Let's go dans la tanière. C'est le seuil de la demeure d'une bête, quoi qu'elle puisse être. Ce n'est pas un... Des loups. Bizarre, ta grotte d'ours. Hein. Eivor, je crois que vous devriez. C'est
De la fumée? Grand Dieu! Mon domaine brûle comme un fagot! Un océan de flammes bientôt. Eivor! Tu sais te battre, ça n'est pas à moi de te dire comment agir, mais... De grâce, accorde-moi ton aide! Je me battrai à tes côtés! Ce ne sont pas quelques Mercians qui nous font peur! Mais allez, venez, je vous attends. On m'attaquera à vue ici. C'est fini. Où est Edgar, ce chien qui est danois? Bon, hey, monsieur Pétcouille à la lance là. C'est toi qui vas payer. Allez, mange. Ceux qui voulaient te voir brûler sont morts. Allons éteindre les incendies. D'accord. Quel malheur. Un océan de cendres. Merci d'avoir fait ce que tu as pu, Eivor. Tu es loin d'être un homme démuni. Tu pourras rebâtir. Certainement. Mais cela va me demander beaucoup d'efforts et je... Ah, Dieu du ciel! L'ours est de retour! L'assemblée va bientôt commencer. Je dois regagner Lincoln pour veiller à son bon déroulement. Voilà. J'ai tué l'ours. Et bien les amis, je vous dis donc à très bientôt pour ma suite de mes aventures. Allez, portez-vous bien. Tchuss.